Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'EP Fort. Salut EP Fort. Bonjour! Et donc voilà, on va parler un peu de Stenblock, puisque vous le savez, l'ouverture c'est lundi. Ce serveur qui commence à faire un peu de bruit, on a hâte de vous accueillir. Mais ce soir, on a décidé de se faire un petit UHC Games. Et je vais laisser EP vous présenter le jeu, parce que moi je dois vous avouer que ça fait un moment que j'y ai pas joué. Et donc un petit rappel des règles, ça me fera pas de mal. Et puis si vous connaissez pas le jeu, c'est l'occasion de le découvrir. Oh bah c'est tout simplement le petit jeu de ce soir Ultra Lucky. Vous êtes sur une ligne droite, vous avez je crois 25 caisses à péter et vous avez soit de la chance, soit de la malchance, à vous de voir. Mais pour le coup, ça peut être ultra bien. Lucky Desert, tiens. On est en partie là sur UHC Games. Et ça y est, le jeu se lance. This server recommends to you the custom resource pack. Non, j'ai pas le temps. Donc là, je suis un peu Bah, perdu. Oh là, où est-ce qu'on est là? à mon avis, si tu acceptes pas, tu te fais kick, je crois. Je Non, ne j'ai suis fait pas. non et je suis avec toi dans l'endgame. Hein. Ah d'accord, bah tant mieux. Et donc, du coup, en gros. Ah, mais en fait, j'ai jamais joué à ce jeu, en fait, je suis en train de dire. Bah non. Donc là, explique-moi, j'ai votre équipe. Ok, je vais mettre dans l'équipe rouge. Et. Ouais, de toute façon, il faudrait que je dise où est-ce que je vais, parce qu'à mon avis, il n'y aura personne là. Attends, je reviens un petit coup au truc. Vas-y, dis-leur que tu vas faire un petit UHC Games ici. Et donc, en gros, puisque tu dis qu'il n'y aura personne et que, inversement, sur Stenblock, on aura pas mal de monde, l'ouverture c'est lundi, donc à 16h. Sur le TeamSpeak, vous avez tout en description de la vidéo. Vous avez le concours Twitter qui est organisé. Vous avez le lien pour le TeamSpeak, le lien pour vous inscrire à l'ouverture, les horaires, bref, le planning de la journée. Et donc, EP Fort sera là aussi. Ouais. Il est Starblock 2016 et donc Starblock c'est tout simplement les partenaires youtubeurs du serveur et donc on en a pas mal comme EP Fort, Lucky Tonio, moi donc je suis forcément partenaire du coup et Starblock et l'idée c'est vraiment T'es je sais pas si partenaire et en même temps t'es admin. Ah bah bien. exactement et fondateur du coup c'est génial j'ai tous les postes. Attends, c'est parti là? Oh je suis Ouais. pas prêt là. Oui, je fais de la rotonne. Du coup attends explique-moi genre quand il pop quelque chose qu'est-ce que je dois faire avec? Bah, tu t'en fous, tu fonces. Mais je suis tombé, je comprends rien. Ah bah tu reviens en arrière. Ah ouais, Tu 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 oh tu la tu. galère, c'est J'ai des banni. silverfish, bonjour. Et donc en gros sur Stenblock, le principe c'est qu'on aura que des jeux, genre que du jamais vu, que des jeux qui sont jamais parus sur Minecraft. Et donc du coup en deux mots, puisque t'as pu tester à la bêta de Stenblock, qu'est-ce que t'en as pensé de Stenblock en deux mots? Une très belle bêta que j'ai eue. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de jeu. Et j'ai même fait planter la machine plusieurs fois, donc du coup je suis À cause des content. abonnés, il y avait tellement de monde à la bêta que la machine a planté. Donc là, bon, ça a été revu. À l'ouverture, on sera plus de 1000 players. On a fait en sorte que les machines puissent tenir, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, le but, encore une fois, je le rappelle, c'est vraiment de jouer à des jeux auxquels vous n'avez jamais joué sur Minecraft, puisque l'intégralité des jeux qu'on a développés sur Stenblock n'a jamais été tirée sur le jeu Minecraft. Je viens de me prendre une anvil sur la gueule. Moi je t'avoue depuis tout à l'heure c'est les chauves-souris qui me ralentissent plus qu'autre chose, je suis tombé dans trois trous et je suis en galère complet en fait. Ah, effectivement. Ah ouais t'en es où toi? Ah tu dois être loin par rapport à moi. Il me reste un demi-cœur en plus. Bah, il me reste 31 blocs à faire, donc du Ah mais je peux coup. faire spawner des trucs et tout. J'avais jamais joué à ce jeu, c'est n'importe quoi. Le dernier de Oui! la partie. Non l'étoile d'araignée, qu'est-ce que je fais? Ah Yosh? déjà, c'est pas la pioche que tu iras, mais oui. Qu'est-ce que je fais? Oh! Ah, mais non, 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 T'as non, gagné pas là. déjà? Non, non, j'ai pas gagné, pas Comment du je joue tout. à droite? J'ai encore 30 blocs et j'arrête pas de recommencer depuis la deuxième fois. Et quand tu meurs, il se passe quoi? Tu recommences au début? Ouais, tu recommences au début, mais tu ne répètes pas les blocs que tu as déjà pétés. De mourir avec un cactus quoi. C'est pas mal aussi, tiens, ça Il me reste donne. une demi-vie. Oui, bon, enfin Arriver bref. là. Attends. Et également, Sunblock s'ouvre officiellement lundi à 16h30. Voilà, c'est ça, on sera tous sur TeamSpeak, toi aussi tu seras là avec nous, je crois. Ouais. Et donc il y a un planning où toute l'après-midi on sera là, il y aura des interviews youtubeurs, il y aura des. Donc bien sûr la découverte des jeux. À savoir qu'on a déjà développé 20 jeux, mais que seulement 5 des 20 jeux sortiront à l'ouverture. Et donc chaque mois, deux nouveaux jeux paraîtront. Pour ce qui est eh bien, des premiers jeux qui vont sortir, donc on a Haunted Orphanage, qui est un cache-cache immense, et je crois que tu l'aimes beaucoup ce jeu. Oui, ce gros cache-cache, je l'aime bien. Donc dans des manoirs hantés avec un effet de slowness et de darkness qui fait qu'on voit rien du tout quand on joue et on sait jamais
sur qui on va tomber. Le but, donc on est une équipe face à un qui doit nous retrouver, c'est ça? C'est l'orphelin. C'est ça. Donc t'as pu y jouer à la bêta et qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Franchement, j'aime bien. Ça, j'ai dû jouer sur deux maps. Ouais, on a plusieurs maps pour chaque jeu, c'est ça qui est important de dire aussi. Parce que sur le serveur, on aura des Hunger Games et des mini-jeux, et du coup, t'as pu tester quelle map toi? Oh, je ne sais plus, mais c'est la maison hantée. Ouais, elle est énorme, dans la forêt là. Ouais. Ouais, je vois. Elle était cool, franchement, très cool. Franchement, très bien. Je trouve pas les mots parce qu'en même temps, je suis. Ah bah, crève. Non, non. Vas-y, c'est parti, je me jette un cactus. Et voilà. Tu Ouais, donc te jettes. du coup. Donc, du coup, ouais, la game est vraiment très très bien. J'ai hâte de faire ça, mais en version plus grand. L'idée aussi, c'est de pouvoir jouer YouTubeur et ses abonnés, VS d'autres YouTubeurs et leurs abonnés. À savoir qu'on aura donc le système de parties personnalisables. Donc, EPFort, par exemple, pourra créer sa partie et inviter seulement et faire tout le paramétrage de la partie, c'est-à-dire mettre un effet de speed sur les joueurs, mettre des équipes, etc. Il pourra absolument personnaliser sa partie et vous inviter du coup. Ça qui est aussi cool, c'est d'assister à des parties qui, même si le jeu est unique et n'est jamais sorti sur aucun autre serveur, bah, en plus de ça, tu peux créer des parties uniques qui n'ont jamais été créées sur Stenblock. D'accord, je viens Et de me donc, faire ça, je sais pas si tu défoncer. savais. Bah non, je ne savais pas du tout. Et donc, ça, c'est en développement et ce sera soit disponible à l'ouverture, soit un mois après l'ouverture. D'accord, ah bah c'est bon à savoir. Et également, il y a un concours Twitter. Voilà, il y a un concours Twitter qui va être organisé pour l'ouverture. Et donc, bien sûr, tous tes abonnés peuvent y participer, ainsi que les miens, les gars. Je vous invite fortement à participer à ce concours. Il y aura un super VIP, à savoir le plus haut grade sur le serveur, à gagner. Et donc, avec ce grade, vous pavaner à côté d'épée forte sur le serveur. Oh. Mon dieu, épée forte, je t'aime! Oui, moi aussi, C'est trop drôle, t'as je le suis dans respawn. l'étoile. T'es arrivé là presque? Non, pas du tout. Je suis très loin. Mais moi aussi, c'est ça que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que j'arriverai jamais à terminer ce parcours. Tu pètes bien les blocs, on est d'accord. Et je crois que tous mes abonnés vont se foutre de ma gueule. D'accord, ok. C'est bien, Je viens de c'est bien péter mon pour ça. premier bloc de la partie. On va bien. Voilà. Ok, donc en gros, non mais attends, tu peux péter que certains blocs, on est d'accord. Bah seulement les blocs style champignon quoi. Ouais, voilà, je vois, ok. C'est pour ça que tout à l'heure j'avais Non récupéré des trucs. non. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un creeper chargé. Ah ouais, moi aussi, ben, je viens de mourir à l'instant par un creeper. Oui, il est mort, rien à foutre. Et du coup, n'hésitez pas à inviter vos potes pour créer vos petites teams sur Stenblock, parce que voilà, donc c'est un serveur mini-jeu, je crois qu'on a oublié de dire l'essentiel. Oui. Et donc, il y aura chaque mois des nouveaux jeux qui sortiront, qui n'ont encore une fois jamais été testés ni joués sur Minecraft, par aucun youtubeur, même aucun joueur, puisque nous les avons créés durant 2 ans, ça fait maintenant 2 ans qu'on développe le jeu. Et il est enfin abouti, pour avoir fait une bêta et pas mal de tests avec toi et PFort, ben, à quelque chose qui tient la route et qui est plutôt très cool. Et donc, on vous invite tous lundi à 16h30 à participer avec nous à cette ouverture à laquelle on devrait être 1000. Hein, on a prévu, c'est ça, 1000 personnes Ouais. pour les slot machines. En espérant que Epée Forte ne fasse pas crasher les machines une deuxième fois. Ah bah ça tu verras bien. Hein. Personnellement, je pense que je pourrais peut-être la faire crash. Ouais, il y a moyen. Si le concours marche bien et qu'ils ont vraiment hâte de participer à une petite game avec toi sur Stenblock. Y a moyen. Donc voilà, n'hésitez pas à checker la description soit d'Epée Forte soit la mienne, puisque dans les deux descriptions vous aurez tous les liens qu'il faut pour le concours et pour l'ouverture, le planning, etc. Le site est déjà ouvert, mais c'est une page de maintenance avec le compte à rebours jusqu'à l'ouverture. Et donc dimanche ou lundi, le site officiel sera ouvert et vous pourrez rejoindre et vous préparer à l'ouverture de Stenblock. Pour le fight final. Oui. Ouais, c'est ça qui est cool, c'est qu'on aura aussi donc sur le serveur. Trois gros serveurs principaux, à savoir le serveur principal sur lequel il y aura tous les mini-jeux. Tout est contrôlé par un système de panel, il n'y a aucune commande à taper in-game, ça c'est plutôt cool aussi. Pour rejoindre un ami, voilà, c'est un peu comme sur les serveurs assez innovants qu'on voit aujourd'hui. Il faut cliquer dans le chat, ça fonctionne très bien. Ça, c'est bien. On n'a donc plus de commandes, plus de prise de tête. Le chat, il est super bien réglé et il est surtout customisable et ça c'est cool aussi. Et des parties, ben, ça fonctionne à peu près comme sur tous les autres serveurs. Vous avez vos potes, vous pouvez créer un petit clan avec youtubeurs ou non, ça dépend s'ils vous acceptent. Et vous avez accès à un. Non, 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 non. Ah, moi aussi, je suis en galère. Oui, j'ai Non, fini. t'as gagné? Ouais, j'ai fini. Ben, par contre, je suis vraiment mort, mais j'ai fini. Oula, comment ça se fait? Que je vois personne?
Ah, vous allez être redirigé 20 secondes, d'accord, très bien. Là, on est en mode spec. Ouais, t'es en mode spec toi aussi? Ouais, moi aussi je suis en mode spec, Ah, mais d'accord. sur la map, c'est trop. Et je vois personne, enfin sur une map temporaire. Ouais, bah moi aussi. Ok, super. Très bien. Du coup, mes abonnés et les tiens, s'ils vont sur ma chaîne, verront à quel point je suis mauvais sur UHC Games. Enfin bon, c'est la première partie de ma vie. En même temps, j'aurais bien envie de voir comment t'as fait le début. Tu vas voir, je te jure, tu vas voir. Au début, j'ai cassé quelques blocs, puis après, je me suis enfermé dans un trou. Puis je parlais de stun block, je pensais à l'ouverture et. Commencer à bugger. On s'en met une dernière pour la route? Ouais, on s'en met une dernière pour la route, histoire de voir ton niveau. Ah non, bah, cette fois-ci, je vais faire mieux. Mais explique-moi en deux mots. Donc, tous les blocs champis, je les casse. Tous Je les blocs récupère champs. des items. Et ça, j'en fais quoi des items du coup? Ah, mais tu peux les virer, les items, hein. Ok, Tu mais ils peux. servent à quoi du coup? Bah, rien du tout, c'est juste pour. Et l'XP, tout ça sert à rien? Non plus, non plus. D'accord. Ok, parce que c'est ça que j'essaie de comprendre tous les facteurs du jeu en même temps et j'avais un peu de mal. D'accord. Non, non, les blocs de champi, tu les pètes, et puis si t'as du bon stuff, bah tu les mets, ça évitera de te faire one shot par un Ok, je mob. vois. Mais Mais ça évite après, aussi. En gros, faut aller le plus vite possible, ensuite voilà, je te faut fais aller. du maximum, mais pas ce qui t'encombre trop. Et je vois. Et encore, le stuff, c'est facultatif, hein. Tu peux y aller quand tu veux, ou ce genre de choses. Bah, doubler sur le jump, je rêve. Bah, je t'ai dépassé, c'est déjà bien. Pas tombé encore. Combien de joueurs là? Il n'y en a que 5, 5 sur je ne sais pas combien, il faudra Oh que je... non. Alors, ah bah moi aussi. 1, 2, 3, pour Attends, Trafix TV. attends, je vais juste redire Please, Ultra dénoncez. Lucky. Hop là. Voilà. Sinon, toi, tes projets du moment. Le projet du moment, bah pour l'instant je continue mon petit LP tranquillou en solo. Et puis voilà. Y a pas mal. C'est déjà un bon point. Ah, bizarrement, quand on dit Ultra Lucky Il y a tout en le monde game, qui se rajoute d'un y a coup. plus de monde d'un coup. Merci, épée forte. Ouais, t'as vu. Et là, ce qui est cool, c'est quand t'es sur le jump, ils peuvent pas tous se coller à toi, ils sont tous en galère. Ouais. Et tout à l'heure, je me suis retrouvé dans une jail, enfin une espèce de prison, in-game. Comment je fais pour sortir de ça? Alors ça, j'en sais rien du tout. J'ai cassé un bloc et je me suis retrouvé dans la prison au-dessus. Ah oui! Bah, cette fameuse prison, bah, soit tu meurs, soit tu... Oh, je suis mort du premier coup. J'ai failli crever, t'inquiète pas. Wouah, y a un zombie géant. Il est pas bien celui qui vient de l'ouvrir. Oh, stylé, une armure. Oh non, je suis dans l'eau, je peux pas le récupérer. Ah, le zombie vivant, je te le vois, ouais. Quoi? Ouais, Il est je le vois. énorme. Je le vois de loin. Ok, je me suis stuff grâce à tes petits conseils. Maintenant, je me tâte à casser les champis Oh parce que putain, là, j'ai la plus de TNT! vie. Dégage! Oh, j'ai perdu la moitié de ma vie. Yes, potion, monsieur Regen. Oh non, j'ai le zombie géant. Oh. Ah non 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 non. User left your channel. Très Ah, bien ça là. c'est cool. Le mec Et de était sur modifier le channel, TS. de mettre qu'on était en plein rec. Non. Ouais, c'est cool, j'ai un jump. Elle est magnifique cette map par rapport à l'autre, je trouve. Oui. Y a des lapins. Il a une offense, il fera sur moi. Non, il te saute dessus des fois. Non, 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 non. Ah! Attends, me dis pas que les lapins sur Minecraft attaquent. Ah si, il y en a certains qui attaquent. Non. C'est vrai. Oui. Mince, j'ai oublié que j'avais des dégâts de chute. Putain, mais je suis trop swag. Oh là là, on peut pas se régénérer, c'est insupportable ça du coup. Je suis pas encore mort? Mettre un peu de son parce que j'entends pas les lobes. T'es mort toi ou pas? Ah non? Moi non plus. C'est... Oh, zombie! Ah, si. Si, je suis mort. Et t'étais où là à peu près? Bah il me reste 14 blocs. On le voit où ça? Ah oui, en haut. Non, sur le côté, mais oui. Dernier, il me reste 43 blocs, c'est normal. Est-ce que tu pètes les blocs au moins? Oh bah voilà. Franchement. Attends, mais faut tous les péter? Bah oui, il faut... y en a Ok, pas qu'un. d'accord, j'avais toujours pas compris ça. Tu vois un J'ai bloc avancé. champi, tu les pètes. Et en fait, je pétais juste ce qui m'intéressait, c'est-à-dire que je me disais, ok, je prends du stuff ou je prends pas de stuff. Ah bah oui, bah si, il Par faut... contre, là, je suis pas bien parce que le creeper il a fait péter la map et pour remonter, je suis dans une galère de. Oh bah tu te démerdes. Épée forte. Oui. Tu Oh yes. Donc en fait, tu m'as dit tu casses absolument tous les blocs. Et du coup, mon score il va augmenter. voilà. Oh non, 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 non! Si si si. Ah mais du coup le jeu il est beaucoup plus intéressant puisque faut casser chaque bloc et avoir les... Ok bah oui.
Ah bah oui, Non, quand tu joues bizarrement, pas hein. avec les bonnes règles. Non, mais du coup, c'est rigolo, ça fait une vidéo un peu what the fuck. Je me Ouais, doutais je bien que trouve un t'avais peu con. toujours pas compris en fait, mais. Oh, incroyable, tu sais ce qui vient de se passer? Non, mais je le saurais. J'ai cassé un bloc champi. En prison, il y avait marqué regarde en haut, je lève la tête, il y a une enclume qui m'est tombée dessus. Ah oui, forcément, oui. J'aime troller chez Yakshik Games. Très. Mais attends, je vois qu'il y en a qui sont au même niveau que moi, c'est cool. Il a le même skin que moi en plus. Copieur. Oula, t'en es où à peu près au Tut. niveau du. Un endroit où que ça devrait être bon. Ou pas. Donc, en plus des youtubeurs, t'es bon sur Minecraft, c'est ça? Oh merde, regarde en haut. Ah Ah cool! Je me non, suis moi j'ai pas pas pris vu. l'anvil. Non, t'as esquivé l'enclume, genre? Ouais, j'ai slivé. Esclivé, oui. La supprime plein fouet, elle est juste là, là, je la regarde, elle est dans la prison. Non, pas les araignées, putain, ces putes. Et vaut mieux pas d'ailleurs dépasser le bloc avant de le casser pour pas se faire tuer par le mob si d'ailleurs tu l'as Alors, cassé. tu t'as une chance en fait de te faire exploser même si t'es après. Donc, à toi de voir. Bah, c'est pour ça que je me dis est-ce que. Oh, j'ai un jump là, il est cool. Oh la vache. J'ai marqué oh la vache, j'ai dit oh la vache. Tu La vie est une. pididu, tu. Facile, là j'ai un Merde. effet de jump qui est par-dessus à peu près tout. Bah, le jumbo c'est bien, c'est vraiment bien pour escalader. Alors moi je suis plus qu'à 10 blocs, il y en a un qui a 7 blocs, psycho. Ah d'accord, il y a un autre bloc ici. Ah oui d'accord. Oh non, 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 qu'est-ce que c'est? Il y avait un autre bloc, je le pète, pouf. Ah d'accord. Oh Très non, de la lave. bien. Oh retourne au début. Ça qui est bien dans les jeux de Stealth Block, c'est qu'il n'y a pas autant de frustration. Non, je plaisante. Il y a des jeux comme Untethered Orphanage, par exemple, quand tu penses être caché jusqu'à la fin de la partie et qu'au tout dernier moment, l'orphelin il arrive. Bonjour. Quelle frustration! Et Je puis donc du veux. coup sur Stenblock ce qui est cool c'est qu'on a des mini-jeux, à côté de ça on a un énorme serveur Hunger Games, je sais pas si t'as pu le tester, je crois pas. Non. Ça c'est cool parce qu'on a mis donc des règles qui sont complètement innovantes par rapport à tous les Hunger Games qui se font. Et on a fait des maps complètement folles. Pour un maximum de fun. J'ai bon d'être comment le plus gros partenaire pour l'instant, hein. J'ai pas tout découvert non plus. Ouais, bah en même temps il y a tellement de choses, t'imagines 20 mini-jeux. Pour le moment, sachant que tous les mois on rajoutera des jeux. Après, en plus de ça, on a donc comme je l'ai dit, les différents serveurs, le Hunger Games, le Stain Flag. Ça, je pense que tu en as entendu parler. Vaguement. Et tu sais, le mix entre Tower et en fait le enfin en fait c'est le but, c'est de sniper en même temps de bridge pour arriver de l'autre côté, récupérer le totem de l'équipe adverse et de le ramener dans son camp sans se faire tuer, bien sûr. Ah oui, d'accord. Oh bah Et bien. sauf qu'on a revisité toutes les règles du tower principal et ça donne quelque chose de très sympa au final. Et j'ai hâte de pouvoir y jouer avec toi parce que ça c'est vraiment un jeu auquel faut jouer avec YouTubeurs et ses abonnés dans chaque équipe. Ça rend vraiment bien. Non, 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 non. Oui, j'ai fini. T'as fini? Je viens de finir. Quand tu finis donc ça va, tout le monde peut terminer et il y a un classement ou pas du tout? Ouais, je suis premier en plus. Oui, il y a Ah ouais, un j'ai vu ça. classement. Oh putain, j'ai eu chaud, hein. Salut les golems, vous êtes des brels. T'es où toi? Que je Moi puisse je te... suis assez loin, tu vas voir. Alors, se Dans téléporter, la cave. monsieur Raph. Ah oui, t'as une vache, et... Ok, très bien. Maintenant que j'ai compris, je casse les blocs, tu vois. Les cochons ils servent à rien, ça là, on est d'accord? Non, hein, tu peux continuer. Hein. Ouais, je vois une colonne de cochons, je vois pas. Bonne chance, ok, merci. T'as vu, en Les plus, ça développeurs ils sont troll. amusés. Ouais. Bah, le pire troll que j'ai eu pour le moment dans ce jeu, c'est vraiment le regarder en haut. Je m'attendais tellement pas à me prendre une enclume. Encore, c'est Hop, qu'un début. un petit casque. Donc là, qu'est-ce que je fais face au portail? Bah là, t'as déjà un cube Ah là. derrière toi. Bah, bonne chance aussi, je crois, ouais. Bonne chance, ouais. Qu'est-ce Et qu'il bah faut faire là, maintenant? c'est simple, il faut que tu montes sur les barreaux en fer et que t'essaies d'escalader pour... aller de l'autre côté. Vache. Toi, t'es passé par ça? Ah bah oui, hein. Tout le monde Oh y là là, mais passe. qu'est-ce que c'est chaud! Alors des fois, tu vois, tu peux avoir une chance incroyable, c'est d'avoir un creeper chargé qui t'explose le Bah ouais. truc, et du coup, bah tu passes. Ça m'est arrivé tout à l'heure, mais du coup ça m'a limite mis dans le caca parce que j'avais plus d'accès pour passer la plateforme. Oh, mais là c'est galère, hein. Il faut faire un double saut à chaque fois. Wow. En plus on a du speed, du coup j'ai du mal à gérer mon saut.
Oh là là. Il Je suis resté bloqué là jusqu'à la fin de la partie. Y en a combien qui ont terminé avec toi là? bah, y a que moi qui a... Ah si, il y a Psycho qui a terminé, je crois. Zéro bloc restant, donc non, il est mort encore. Ah, ça Bon, va, ça m'a réussi ta vie le du coup. mate à côté de toi, Hugo, Monsieur TNT, a du mal à... Allez, je vois. Ah non, il est passé. Ah, mais il est passé. Il y en a un de droite de moi. Il vous reste 7 minutes. Ah, en plus, ça te met la pression quoi. Ah, c'est pas mal aussi que les Silverfish t'attaquent, en fait. Oh, je te jure, je commence à saturer là. Allez, je sais que tu peux le faire. Non, mais non. Je suis arrivé au deuxième. Et Psycho Oh qui win. non. Ouais, deuxième. Pas sûr de voir qu'à droite de moi il est toujours. Ok. Oh non. T'as pas une petite technique à me donner, ouais, donner aux abonnés. Bah, c'est simple, tu sautes Qu'est-ce que et tu tu fais toi? sneak en même temps. Oh bah Comme ça, voilà. tu Bah descends voilà, pas. ça c'est une technique. Et bah voilà. Tu sautes sur la barrière et tu sneak en même temps. J'attends la barrière, c'est mieux. Ouais. Alors là j'ai fait sneak direct, mais pourtant je suis tombé. Bah ouais, t'es tombé. À boulet. Laura, j'ai peur. Oh non! J'ai appuyé deux fois sur barre espace au lieu d'appuyer deux fois sur. Oh yes! Oh non! Je m'en fous, je le fais dans l'autre sens. Non. Non, je rigole. De toute façon, t'es obligé de passer. Là, il faut que j'arrive, tout le monde me regarde. Je te Mais j'ai pas regarde, hein, au-dessus t'inquiète. de moi là? Ah si, je te regarde. Merde, merde! Non, c'est un scandale, tu peux pas faire ça, tourne la tête! Ah Ah bah bah voilà. voilà. Hop, Ça veut IP dire quoi? Tout le monde a remporte. terminé? Non. Non, non, bah c'est les trois premiers qui remportent, je crois. Ok, d'accord, le classement c'est sur les trois premiers. Bah, du Heureusement, coup, parce c'était que bien sinon... cool. Tu m'as fait découvrir un jeu et franchement, enfin, franchement, le jeu était super sympa. Après, bon, je suis un peu un galérien et j'ai mis un peu de temps à comprendre les règles. Oh mais je n'ai rien dit hein. Non, non, mais j'assume complètement. Et bah, du coup, merci pour ce petit moment et ce petit UHC Games. Ouais, c'était très sympa. On se Je... retrouve donc lundi pour l'ouverture de Stenblock. Tu seras là, Ouais. je te laisse inviter tes abonnés lundi. Ouais, il y aura du monde. Et donc voilà, le concours Twitter qui va être lancé ce week-end. N'hésitez pas à le suivre pour gagner un super VIP. Peut-être que pour toi, Epéfort, on fera en sorte qu'il y ait plusieurs gagnants. Parce que voilà, il y a tellement de monde qui va participer au concours que je pense que un seul gagnant pour tous tes abonnés, c'est peut-être un peu léger. Donc Ouais, je on fera, je pense. pense, trois super VIP pour l'ouverture. Un sur TeamSpeak avec nous, parrain officiel pour l'ouverture. Starblock 2016. Et voilà, donc n'hésitez pas à en parler à vos potes. À venir lundi à 16h sur TeamSpeak. Donc le lien, c'est. ts.stenblock.fr et le IP in-game c'est mc.stenblock.fr. Vous avez tout en vidéo, vous avez tout dans la description. Et follow, amusez-vous. Et moi je vous dis à très vite. Merci Pfort. Moi de rien, Et un je vous dis à une plaisir. prochaine vidéo, les gars. Portez-vous bien, ciao tout Bisous! Oui! Oh, de perdre ça. le monde.